Bonjour tout à tous, l'ami Ségal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme les copains. Petite vidéo début de semaine, il est un peu moins 9h quand je vous lance le rec. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire les gars? On va se récupérer les points stars, on va passer les 200 000, donc on va battre le record de France assez largement. En réalité, il n'y a que Gil VGX qu'on a plus que moi, c'est un espagnol hyper connu. Sinon, on est les deuxièmes au monde à avoir le plus de points stars. Donc bien sûr, on attend des skins de fou furieux. N'oubliez pas de me défoncer de pouces bleus cette vidéo les gars. Si on a une qu'il faut défoncer de pouces bleus, c'est celle-là, on est sur du record de points star comme je l'ai dit, et dans un peu plus de 20 secondes. Alors j'ai fait des 25 000 trophées les gars, et normalement ça va me rapporter quelque chose comme 7 000 points star qui vont s'additionner aux 194 000 pardon, qu'on a déjà. On va dépasser les 200K ensemble, suspense les gars, suspense. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je le répète, c'est assez important, parce que du coup voilà, on va fêter les 400 000 abonnés bientôt, donc abonnez-vous, n'hésitez pas, et normalement, fin de la saison, normalement, quand je vais quitter le menu. Alors, pourquoi on a pris un... Ah non, ok, c'est un bug. On avait pris une pénalité de 10 minutes. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, faut qu'on ait... En réalité, il nous en manque 5500 points star pour qu'on ait les 200 000, donc on les aura largement. Alors, on est déjà 7280, les gars. On a 7280 points star. Sachant que c'est pas vraiment le plus facile pour les farmer en rush de saison comme ça. Ce qui est beaucoup plus simple, c'est le marathon. En marathon, clairement, vous pouvez récupérer 7000 points star sans trop forcer, même en faisant 2-3 défaites par-ci, par-là. Ça peut passer, donc c'est vraiment le plus rentable pour moi. Et ce reset, les gars, on était à 25050 trophées. À combien va-t-on être reset? J'ai pas fait les calculs exacts, parce qu'en réalité, on peut le savoir en cliquant sur le... Le rang de votre brawler, vous allez savoir exactement à combien il va être reset. En tout cas, ça vous le marque là. Ma petite Jessie 800, 825, etc., etc. En tout cas, les copains, je pense qu'on va se faire un petit screen parce que normalement, c'est quand même un cap important. Et on récupère tout ça. Et du coup, les gars, 201 837. Voilà. On a battu le record de France de points star. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. Je suis assez fier de ce record, même si le but, à un moment donné, va quand même être de les cramer. Je suis d'accord avec vous. Dès qu'il y aura des skins du futur qui sortiront, on les achètera. Mais c'est vrai que ces skins-là, donc Colt, déjà, j'aime pas du tout. Hein. J'en ai des vachement mieux. Et le petit barlet rouge, bah non, en fait, non, j'aime pas. Donc c'est compliqué, les gars. J'espère que vous avez tous rentré le code créateur. Et j'espère qu'on va avoir du lourd dans cette boîte, même si on est full max, on n'attend rien. 5 gemmes, c'est assez correct. Au passage, en termes de boîtes, vous voyez qu'on a 1159 et 51 grosses boîtes, donc on se met extrêmement bien. Et du coup, le reset, les copains, qui a... Putain, on est à 23100. À l'époque, j'étais à peu près reset aux alentours des 20 000. Ouais, 19 000, 20 000. Là, imaginez, on a 3000 trophées en plus. C'est énorme. Hein. C'est la première semaine de rush facile. Donc, en gros, on gagne une semaine de rush. C'est vraiment un truc de fou. Faut qu'on monte des brawlers 1000 aussi, dites-moi en commentaire, les copains. Alors, on a le rapport hebdomadaire disponible, temps d'écran a augmenté de 8% la semaine dernière. Ouais, les gars, je sais, on joue de plus en plus, mais c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me dire les brawlers que vous voulez qu'on monte 1000. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? En vérité, est-ce qu'on peut se faire un petit solo? Alors, un petit solo, on a le deuxième star power de BA, on va se tester ça comme ça. On va se tester ça comme ça, les gars. Et si vous connaissez des joueurs qui ont plus de points star, n'hésitez vraiment pas à me le dire, les copains. Je suis preneur, et si vous avez... Et au fait, si vous n'avez pas vu le tournoi des youtubeurs qui a eu lieu hier, les gars, n'hésitez vraiment pas à aller le voir, c'est un truc de fou. En un watch time, donc c'est la moyenne de visionnage, les gars, sur la vidéo, elle est de plus de 8 minutes, c'est carrément élevé, en fait. Qu'est-ce qu'il veut, Tim? Lui, on a 600 trophées, frérot, t'as pété un câble ou quoi? Alors ouais, je disais que du coup, le tournoi a été vraiment bien pris par la commu, et ça fait plaisir. Alors, ce serait cool que je lui mette un petit coup. Je pense que lui, il a pas envie de me laisser lui mettre un coup. Ok, on n'arrive pas à le toucher une seule fois, les gars. Ok, on l'a enfin touché après 50 tirs. Ouais, je disais donc, du coup, le tournoi, les gars, mille merci pour vos retours. C'est un truc de fou. On a eu l'invité. On a eu... Oh non, les gars, non. Putain, je vous tapais la causette. Il y avait un corbac avec... Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ça m'a cassé mon délire du matin, là. Je m'attendais pas à voir quelqu'un par là. Je voulais voir s'il y avait un pot en bas à gauche. Ok, on va laisser tomber BA. Ouais, du coup, mille merci pour le retour sur la vidéo. C'est un truc de ouf. Quelle est l'offre qui spawn, là? C'est les 2 mégawatts, encore? Pourquoi ils me remettent à chaque fois le... Ils m'ont remis le... Vous savez, l'offre spéciale, là, en rouge. C'est bizarre. Assez bizarre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne pour... Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne? Faut quand même prendre un truc relativement bas. Qu'est-ce qu'on peut essayer de se monter cette saison? Moi je vous dis qu'on peut tenter un petit Léon, on peut se le tenter.
Ouais, du coup, le tournoi de dingue, on a eu Valouz en invité exceptionnel, plus d'1 million d'abonnés, ça fait trop plaisir. On a eu Hashtags, David K, Axel, enfin, on a eu la team française, beaucoup aussi de youtubeurs un peu moins connus. Et ça m'a du coup donné l'idée, les copains, de faire un tournoi, la même chose, mais avec les abonnés. Et du coup, bah, ça a été super bien pris par la commu, là, j'en ai parlé sur Twitter. Les mecs sont chauds, donc pour postuler sur un tournoi des abonnés, les gars, ça va être assez simple, en fin de compte, va falloir commenter. Je pense, peut-être même cette vidéo-là, essayez de commenter, et je tirerai au sort des joueurs. Alors bien sûr, les gars, je sais pas encore quand je le ferai, donc je mettrai les disponibilités à la... Je vous contacterai par MP, et on verra un petit peu qui est dispo, parce que je vais sûrement le faire entre midi et 2 la semaine, donc ça va pas arranger la plupart d'entre vous, j'en suis conscient. Mais malheureusement, c'est vrai que moi, je verrais qu'à ces horaires-là. Du coup, dites-moi déjà si l'idée vous plaît de faire un tournoi des abonnés, si vous voulez participer. Et dites-moi un petit peu tout ça. Qu'en pensez-vous de l'idée? Donc du coup, ce sera en mode survivant, les gars. Je sais que c'est pas le mode le plus apprécié par tous, mais c'est quand même le plus simple. On peut se péter la gueule facilement. Je trouve le mode assez fun. Alors les gars, il y avait une Shelly, voilà, on est d'accord. Alors elle se fait gratter, elle a pas peur, elle a pas peur la petite. Je la touche un coup sur 3. Ok, elle est là. Ok, on peut la mettre assez low. Alors, elle aurait pas son ulti, je serais allé la rush, hein, mais en vérité, c'est beaucoup trop risqué. Déjà, je me fight avec elle, c'est pas ouf. Ouais, en vrai, on n'est pas méga bien, putain. On n'est pas dingo là, parce que s'il y a un Daryl qui me push, on est vraiment pas bien. Comment ça se fait que le solo showdown, c'est pourri comme ça, les gars? On va essayer de faire un duo limite random tout à l'heure, juste après, parce que là, le solo, c'est vraiment pas ma tasse. Ma tasse de café là les gars. Je sais pas où aller en fait là. Là je sais pas où aller parce que là ouais Daryl il veut me soulever, il a raison. Et ouais là on va mourir 8e, c'est sûr. Non mais c'est sûr, c'est infaisable. Là on peut rien faire, c'est un scandale les gars. J'arrête le solo, promis j'arrête. J'en fais jamais, hein, je sais pas pourquoi ce matin. Faute de mate, on a même pas regardé en même temps. Faute de mate, je me suis lancé dans le solo. Mais c'est vrai que en duo, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les copains, on a trouvé le frérot Cavendish. On va essayer de se faire 2-3 games avec. Voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas trop le brawler qu'il veut prendre. Il a l'air. Est-ce qu'il a pris Jhin volontairement? Ou pas, en tout cas, on va se mettre prêt. Il a pris sa Tara. Putain, Tara en duo. Normalement, c'est vraiment pas ouf. Je sais pas comment on a fait pour la monter 1000. Il y a quoi, il y a quelques semaines. Mais en tout cas, on a réussi à le faire, les gars. Seul le résultat compte. Alors on se concentre un petit peu parce que là, pour l'instant, on a perdu des trophées. Même si c'est en début de saison, qu'on s'en fout, c'est plus une vidéo fun qu'autre chose, on va quand même s'appliquer un petit peu. Alors j'ai le star power du heal, les gars, en duo, je le conseille. Je le conseille parce que je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, quand on reste assez proche. Alors est-ce qu'il a pris la popo? Non. Il me l'a mise low, ok. On est à 2 pots. Alors pourvu qu'il meure pas et qu'on se mette bien. Dès qu'il a son ulti, à mon avis, on est vraiment bien positionné sur la game. Là, il y a des trucs, là. Il y a des mecs en bas, là. Alors. Ok, c'est quoi? C'est Nita Rosa. Alors, j'ai envie d'aller l'aider, le frérot. Le problème, c'est qu'on fight pas au même endroit, là. Moi, j'étais plus sur la team du bas, parce qu'on peut grave les victimiser, là. Ouais, c'est bon. J'ai bientôt l'ulti. J'ai bientôt l'ulti. Ils vont devoir partir, d'ailleurs. Alors, c'est cool de les chasser. Je pense qu'on peut grave leur mettre la pression. Alors, est-ce que je peux en grabin ou pas, les copains? Est-ce que j'en grabe un? Putain, j'avoue que graber une Rosa, c'est peut-être pas dingue comme idée. Qu'en pensez-vous, chers amis? Qu'en pensez-vous? Par contre, on peut les pousser à partir. Voilà, style. Style là, la Nita qui est cachée là. On peut lui mettre la presse là. Voilà, Nita. Est-ce que je la grabe? Attends, faut juste que je vois où elle est d'abord. Voilà, on va la tuer, on va la tuer, on va la tuer. Ok, on a même chopé l'ours, mais c'est pas grave. Est-ce que Kaven il est loin de l'ulti ou pas? J'espère qu'il est proche de l'ulti. La Rosa, elle est où les gars? On a perdu de vue la Rosa. Ok, j'ai encore une fois un grab. Alors grab un mec qui a qu'une peau, c'est un peu bête. Waouh, j'ai logo Wi-Fi les gars. Putain, je vois pas ce qui se passe. C'est affreux. Oh, c'est la malédiction du Wi-Fi en ce moment. Ah oui, il y a son mate qui a respawn en fait, c'est ça, quand j'ai grave son mate a respawn, autant vous dire que j'ai un timing qui est claqué, complet. Alors lui par contre il peut mourir. Ok, ça meurt. Il y a quoi? Il reste une Jessie en haut les gars.
Ouf, 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 on s'est mis l'un devant l'autre, je me suis fait sauter et on va faire top 2. Malheureusement, j'avais vu une penny tout à l'heure, mais avec les petits bugs de coup et tout, j'ai pas pu me focaliser comme je voulais. En tout cas, on fait un plus 7, ça va. En vérité, ça va. La technique de Jean avec la Tara qui a un ulti, c'est plutôt intéressant. Vous avez vu que je grab derrière, il met l'ulti, mais ses trois petits coups corps à corps, il défonce le brawler. Donc ça fait quand même plutôt le taf, on va se mentir. C'est plutôt concluant, s'il veut changer, je n'en voudrais pas. Mais moi, si on reste avec cette compo, en vérité, je la trouve assez forte. Le X est juste en début de game, voilà. Alors là, par contre, Léon, c'est encore autre chose. Il a le star power de la vie. Hein. Regardez là, le star power qui régène la vie. Mais j'allais dire, le problème avec Tara, c'est que vraiment le début de game est compliqué parce que tant que vous n'avez pas l'ulti, vous êtes absolument pas craint par les joueurs. Et dès que vous l'avez, vous êtes beaucoup plus respecté, ce qui est un petit peu logique, les gars, quand même. Mais en tout cas, je vais prendre les deux pots au côté droit. J'ai même pas besoin qu'il m'aide en vrai s'il va aller prendre des pots ou des kilos mid. Il n'y a pas de problème. Il y avait même une peau à gauche. On va essayer d'aller la chercher en haut à gauche. Ah, c'est la petite vidéo du lundi matin, les gars, ça fait plaisir de se retrouver comme ça. Vous m'avez gâté ce week-end, les vidéos ont cartonné, vraiment, je tiens à vous remercier, c'est vraiment grâce à vous que ça peut marcher autant. Allez, je me reconcentre, on est à 3 pots, c'est pas trop mal. Ouais, ok, il y a un Daryl. Alors, il me faut mon grab. Alors, lui, il est caché par là. Ouh, il y a un Léon Dina 6. Alors, le Dina me fait pas peur. Le Léon, par contre, beaucoup plus. Parce que si popo, ça peut être compliqué à gérer. Est-ce que c'est avec eux qu'il faut réellement fight? Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On va peut-être plutôt se barrer, hein, Kaven. Frérot, c'est pas que je veux pas. Il y a un Max à droite. On est un petit peu pris en sandwich, là. J'aime pas du tout ça. Ah ouais, je préfère récupérer un côté, en fait. Est-ce qu'il y a un truc dans le buff, là, les copains? Ok, il y a le max. Moi, je pense qu'il faut aller péter le max. Ah, putain, son mate, il respawn. Compliqué, ouais. Faut récupérer cette position. Elle est beaucoup mieux. En plus, on est dans le champignon. On va récupérer 1000 PV par seconde. C'est plutôt la folie. Ok. Allez, faut qu'on les gratte. On a le... Ah, putain, il se prend un champignon, le mec, l'escroc. Ok, une Shelly morte, est-ce que Kaven il peut récupérer la peau? La réponse est non. Oh, il a 9 lui. Ah putain, je l'ai loupé. J'ai tiré, j'ai grab juste à côté. On est vraiment. Putain, faut pas qu'on prenne le fight contre eux. Faut qu'on prenne le fight contre la team intermédiaire. J'espère que Kaven il fait pas l'erreur. Ah putain. Ah putain, j'ai auto-shoot le grab, je suis un cassos, putain. On va mourir. Est-ce qu'on meurt en top 3 ou pas? Ah, ils nous en focus, nous. Ça, c'est nous et notre chance. Ça. Il y a un Korbach Billy caché dans les buissons depuis le début. Et malheureusement, on n'arrive pas à les sauter. Voilà, c'est pas de chance, c'est comme ça. C'est la vidéo du lundi, les gars. On n'est pas encore bien réveillés. Clairement, Léon, je trouve ça éclaté, hein. Je trouve ça éclaté parce que ça fait plus peur à personne en vérité. En vérité, ça vaut pas un bon gros Daryl bien dégueulasse qui vous défonce là. Putain. Je me tâte presque à prendre le mien, mais c'est vrai qu'il est déjà. Putain, c'est vrai qu'il est à 750 début de saison, ça me paraît super super haut. On peut se tenter quand même une game avec le petit Daryl, voir un petit peu ce que ça donne. Une dernière les gars. Et après, on arrêtera la vidéo. En tout cas, 201 837 points star. J'espère que ça vous aura régalé. Parce que c'est pas tous les jours qu'on va franchir un cap aussi important que... Ah non, logo Wi-Fi, putain. Ça marchait nickel avant. J'ai la même connexion qu'avant, les gars. Je vous jure, j'ai rien fait de plus, j'ai rien fait de moins. J'ai rien, j'ai pas de connexion qui bug ou quoi que ce soit. Ouais, les copains, je me bats avec le logo Wi-Fi. Je suis un petit peu désolé. Vraiment, faut que je trouve un problème pour je sais pas, c'est ma collection, je pense pas. Parce que tout le reste marche nickel et le jeu a toujours bien marché. Mais faut que je trouve quand même une solution. C'est plus possible de jouer comme ça. Alors, je vais essayer de fight eux, là, la Tara Mortis. Ouah, putain, j'avance au ralenti, putain. Je me bats pas contre les adversaires, je me bats contre le logo Wi-Fi, quoi. C'est un concept, les gars. Alors, par contre, là... Ouais, putain, je peux pas jouer. Le pire, c'est qu'on n'est pas mort, quoi. Le pire, c'est qu'on est encore vivant, les gars. On a 5 pots. Kaven, faut qu'il régène le frérot. Il y avait un Daryl, une popo, là. Il est encore là, ok. Daryl, Korbach. Je pense que les fights, c'est plutôt une idée cohérente, quand même, parce qu'il y a pas non plus beaucoup de teams qui ont moins de pots que nous. Il y a un Mist... Ouah, Monsieur M, il a 9 pots, là.
Oh là là, les gars, le move de fou qu'on a fait. On a fait un move de la folie. J'osais plus parler, on a fait un double ulti. Oh là là, j'ai failli rage quitter la game 25 fois avec cette connexion éclatée. Mais alors, il y a un Daryl 0 Pola, il espère quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Tonton, il explose. Ok, on finit en beauté. On finit en beauté la vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Parce que cette game, même si elle a bug, on a vraiment fait du sale. On a défoncé la team Mister M, Léon. On les a claqués pour leur montrer qui c'était le patron. En tout cas, on a été... Voilà, bon, j'ai rallumé la tablette et tout entre-temps. Mais en tout cas, regardez, on a commencé à 23 100, les gars, c'est possible, ouais. Et je crois qu'on a pris que 5 trophées en toutes ces games, c'est un petit peu pitoyable, mais en tout cas, moi, je vous fais des gros gros bisous à tous, merci à tous ceux qui ont explosé les pouces bleus sous la vidéo, et vive les points stars, on est à 200 000, merci à vous pour le soutien, à très bientôt, ciao ciao!